Une séance de selfie, ouais, là on va pouvoir la faire. La séance de selfie avec le pingouin. Par contre, en attendant. Ah oui, mais j'aurais dû sauter à l'eau directement, moi. J'aurais dû sauter à l'eau directement. Parce qu'on a des vignes pas très très loin. De toute façon, je pense qu'on va se faire un aquarium, ne serait-ce que pour les plantes. Pour qu'on ait un petit peu ce dont on a besoin directement ici. Et si on va par là-bas, on aura un peu ce qu'on veut. On a des vignes pas très loin, voilà, juste ici. Il suffit de trouver des petites boules rouges. Voilà. Ok. Je voulais ramasser ça parce que je sais plus. Ok, ça c'est bon. Après, est-ce qu'on aura besoin peut-être du prône? Mais pour l'instant, le prône, on l'aura pas. Bonsoir à toi, Marwan. On en a déjà trouvé un. Après, le reste, on verra. Mais pour l'instant, je veux pas plus d'informations, Blitz. Je te l'ai déjà dit. Il y a un moment, je vais devoir sévir. Si j'ai. Comme je le dis, c'est pas contre vous, hein. C'est très gentil de vouloir aider ou quoi que ce soit, ou vous connaissez le jeu, c'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, s'il vous plaît, ce que je demande juste, c'est que si je pose une question, parce que je me trouve bloqué ou autre, et que je vous demande la réponse, dans ces cas-là, vous pouvez me la donner. Par contre, poser des questions pour essayer de m'orienter. C'est tout de suite un peu plus gênant parce que je sais pas forcément si vous connaissez le jeu ou pas et c'est là où c'est un peu plus difficile. Poser des questions plus générales au jeu pour son fonctionnement ou autre, dans la mesure où je peux répondre, je répondrai. Mais si si ça demande des trucs sur les sur est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que, non, je sais pas. Même si je le savais, enfin si j'ai un truc que je sais, je le dirai comme ça directement. Mais après plus, c'est un peu gênant. Voilà. Bah, je sais que maintenant le pingouin a plusieurs utilités. C'est là où, en fait, tu vois, c'est pas volontaire de ta part. J'accuse pas, je suis pas méchant ou quoi que ce soit, j'ai pas de volonté d'être méchant. Si ça fait un peu ferme et sec, je suis désolé. Mais c'est parce que vous vous rendez pas compte, mais quand on le fait à tous les lives, des fois ça peut être très très vite pénible. Même si c'est pas volontaire, hein, c'est pas, vous faites pas méchamment et je vous en veux pas pour ça, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est que quand on demande avec insistance ou même qu'on pose une question qui semble anodine, c'est vraiment pas pour être méchant. Moi, j'aime bien que tu participes. Et donc, en soi, moi, ça me dérange pas que vous participiez. C'est qu'après, il faut penser que même ce qui vous semble des fois anodin, l'est pas tant que ça, et fait qu'on peut très vite donner plus d'informations qu'on ne devrait en donner. Alors, dans ces cas-là, si tu veux pas avoir de... Si tu veux pas le faire involontairement, Blitz. Si tu me demandes où j'en suis, et là actuellement j'ai le pingouin, je m'en sers pour entrer dans des endroits où je n'ai pas accès et pour pouvoir voir. Il a une pince, donc je suppose, et je pense pas trop me tromper là-dessus,
que cette fameuse pince va me permettre de comment dire où est-ce qu'il est le va me permettre de d'appuyer sur des mécanismes ou équivalents. Je m'en doute un petit peu, si tu veux, en soi. Ah mince, il me manque un peu de. Ok. Donc ça je m'en doute. Si tu veux, y a pas de problème. Clairement, pour connaître le jeu, en effet, si tu as un truc avec une pince, il y a un moment, il va falloir que tu appuies avec. On est bien d'accord là-dessus. Ça me semble logique, en tout cas. Après, ça sera peut-être pas le cas, mais dans l'idée, ça me semble logique. Ah bah tiens, je cherchais ça justement. Très bien. Donc clairement, il y a des choses qui me paraissent logiques et je m'attends à ça. Donc on va en effet utiliser le pingouin. On va essayer de. Voilà, là au moins j'ai de quoi m'a raisonner, c'est bien. On va pouvoir le faire, ça c'est pas un problème. Il va servir à appuyer des choses à des endroits où je ne peux pas accéder. Ça me paraît logique. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré le cas. Donc je ne sais pas si ça sera le cas ou si c'est moi qui extrapole trop loin. Et je ne donne pas de réponse dessus, merci. Mais voilà. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. Pour moi, actuellement, en l'état, c'est un jouet. Voilà. Je m'amuse avec mon pingouin que j'ai pas ici d'ailleurs. Ah, on l'a laissé à la base là-bas. Ben, on va. Voilà. Comme ça, au moins, on va aller le chercher. Et je voulais aller chercher des. Tac, on va faire ça. 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 Je bougerai peut-être le. Non, on va mettre plusieurs aquariums. Donc voilà, dans l'idée, je me doute. Enfin, pour moi, pour avoir utilisé le prône sur le premier jeu, tu te doutes bien que tu auras des mécanismes à peu près similaires avec le pingouin, qui vont être un peu différents de ce qu'on a là, mais il me faut ceci. Et il me faut. Ok, deux titanes. Ouais, c'est le titane qui va me manquer pour l'instant. Mais ok. Alors je vais voir si j'ai pas du titane à la base. Donc pour le moment, il nous faut. Donc on va aller chercher le pingouin. On va aller chercher une plante. On va voir si on a du titane aussi. On va essayer de finir un petit peu tout ça. Histoire d'avoir un petit peu d'éléments ici et ensuite on va retourner bon voir avec le pingouin parce que voir ce qu'il y a dans cette fameuse zone et voilà. Alors après si vous avez des questions bien sûr sur le jeu comme par exemple bah, voilà le fait qu'il soit en français, oui, le jeu est en français, il est accessible en français, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, là où on en est de l'enquête, pas très loin. On sait que notre sœur a compris quelque chose par rapport au virus Kara. Et là, pour le virus Kara, je vous invite à aller voir ma série sur le premier Subnautica. Savoir ce que c'est que ce virus et qu'est-ce qu'il peut faire. Pourquoi il est sur cette planète d'ailleurs. Et après, là, on interagit avec un être qui est en nous, en tout cas qui s'est téléchargé en nous, et qui s'appelle Alan, et qui, bien aimablement, nous demande de récupérer toutes les icônes vertes que vous voyez sur notre hub en fait, hein, sur le HUD, donc on a tout cela à aller chercher. Mais ils sont en profondeur et pour l'instant mon aquatracteur ne peut pas aller en dessous de 300 mètres. Sinon il implose hein, à cause de la pression tout simplement. Et on doit dire que la pression... Tac, tac,
Tac. La pression, on préférait la boire plutôt que la subir. Donc, bon. C'est pas top top. Ah oui, j'ai vraiment pas ce que je veux, quoi. C'est le bordel. Honnêtement, c'est le bordel. Bon, on va essayer de trouver sur le passage du titane. Il nous faut deux titanes. Et on pourra finir la zone. Et d'un. Pas de chance. Ouais, enfin, pas de chance. Le plomb est utile. On en a besoin pour la base. Et il nous en faudra déjà parce que pour renforcer ce qui est sous l'eau. On a pris quelques dégâts. Donc voilà. Mais bon, ne le prends pas mal, hein, Blitz. Hein. C'est pas contre toi spécifiquement. C'est que des fois, voilà, on fait pas attention. Moi-même le premier, hein, qu'on soit d'accord. Hein, je suis pas exempt de ne pas le faire. Pourtant, j'aime pas plus ça que les autres streamers. Et j'essaye aussi de. Même quand je connais le jeu ou quand je connais pas le jeu, des fois je m'interdis de poser des questions sur le fonctionnement du jeu parce que ça peut donner des solutions qui ne sont pas demandées par les streamers. Et c'est pas évident, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est très difficile. Et je suis le premier à faire l'erreur. Après que tu te réjouisses que j'ai peur, ou en tout cas peur. Que je me sente pas à l'aise quand il y a le ver qui m'attaque. J'ai bien compris qu'il protégeait quelque chose. Quoi, je sais pas. Mais je finirai par trouver. Dussé-je mourir plusieurs fois pour ça? Ça, c'est pas un problème du tout. Par contre, si vous parlez sur le chat actuellement, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut me faire signe sur le chat, voir si il n'y a pas de problème, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai qu'il est buggé celui-là. Ou me faire signe sur Discord, s'il vous plaît. Ah, merci Samael. Welcome aboard, Captain. Tant que tu fais des clips. Ok, bon. On plantera plus tard. Donc, il faut qu'on retrouve cette zone avec le pingouin. Et bien sûr, ne le prends pas mal, Blitz, encore une fois, hein, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. C'est que, voilà. J'ai pas de volonté d'être méchant ou autre. C'est pas contre toi spécifiquement. Parce que, bon, qu'on soit très sincère, hein, moi qu'on me spoile le jeu en soi, je m'en fous un peu. Enfin, très sincèrement, je m'en fous. Au contraire, parfois même le spoil, ça aiguise ma curiosité. Parce que je veux savoir pourquoi c'est arrivé. Je serais plutôt de ce genre-là. Mais là, en l'occurrence, vu que j'essaye de garder un certain naturel sur le jeu, si on me. Donne la solution qu'on me surprend, forcément que je serai plus aussi naturel et c'est tout à fait logique. C'était par là ou pas? Mais t'es chiant toi! Il est du genre casse-pied, non? Je suis pas en train de revenir sur mes pas par hasard. C'est pas une impression, c'est une certitude, c'est ça?
Ok, je sais où je suis. Je suis bien revenu sur mes pas. Suis pas allé là où je voulais aller. Si je fais ça, c'est là-bas. Tac, 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 tac. Et c'est là-bas en face. Allez, Penguin Time. Ouais, il est limité dans la durée, ouais. Ah! Quand il commence à y avoir des cubes, généralement... Quand il commence à y avoir des cubes... Non, c'était pas les améliorations. C'est l'heure de la péricube, ouais. Et l'autre, il fait trembler le jeu, c'est désagréable là. Voilà. On a pris des photos, tout va bien. Donc, on court avec le pingouin. Oui, il y avait un deuxième cube, ouais, je l'ai vu aussi. Il y a encore aussi un quartz. On va essayer de faire le tour. Enfin, il y a deux quartz. Par contre, je vois qu'il y a niveau d'affinité et niveau d'infiltration. Et je me pose la question, vu qu'il y a un niveau d'affinité, est-ce que il faudrait pas aller voir les autres manchots et voir si on est accepté par eux ou quoi que ce soit. Non, non, le bonnet, c'est bon, je l'ai pas pris, mais c'est normal. Par contre, il est chiant. T'es sérieux là? Ils sortent devant nous et ils nous démontent là. Y a quoi là-dedans déjà? C'est quoi ça? Y aller comme ça. Hein. Oh! Oh bonjour! Bonjour vous! Que vous me paraissez saillant? Que c'est fort. Ah oui, mais ça on peut pas le récupérer, il nous faut le prône pour ça. Ok. Ah, ça c'est sympa ici.
somme toute sympathique, ouais. Et là... Oui. Moi aussi, je sais faire. Bon, ça fait moins peur. On est d'accord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour les liens avec les vraies bestioles, je comprends pas. Je comprends pas juste comme ça ce que tu voulais dire. Alors, par contre... Mais là, il y a une petite pointe, une grande pointe, et il y a la très grosse pointe là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette très grosse pointe? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille vers là où on était, justement? Salut! Non! Bon, il a remangé Michel! Réparation. Ah, c'est peut-être, ouais, pour avec les vraies bestioles, ouais, c'est possible, ouais. Mais je me pose, ouais, avec les manchelles, etc. Manchouelles et les manchounets, si ça fonctionne pas, je me pose la question véritablement aussi. Et je voulais voir si je suis là. Mais. Aïe! Mais ça va pas? What the? Et par contre, est-ce qu'il faudrait pas sauter là-bas et aller là-bas en face? Mais c'est pas vrai! Par contre, je comprends pas parce que les pointes ont l'air dirigées vers quelque chose. Mais je vois pas quoi. Et je comprends pas quoi. Alors est-ce qu'il faut aller de là-bas? Je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Je veux bien, mais il est où mon snow? Ah, il veut pas que j'aille de là-bas, hein.
Il veut pas que j'aille de là-bas. Bah, je suis désolé, mais moi j'y vais, hein. Et il y a quoi ici? Ouais, mais je peux pas y aller, il me faudrait le prône là. On est d'accord que là-haut, je peux pas y aller. Et il me faudrait le prône. Donc là, pour l'instant... Allez, on s'arrête là. Ok. Ici, on est en sécurité. Temporairement, mais on est en sécurité. On va pouvoir manger un petit peu. Dis-moi toujours. Mais à mon avis, il faut le prône. Et pour l'instant, on peut pas avoir la solution ici tant qu'on n'a pas le prône. Parce que le prône peut utiliser un grappin. Et on n'a pas fait une base, donc... Ah. On y était là? Oui. Pourquoi ça c'est là-haut? Ah, mince, je suis pas au bon endroit. Bon, on va se bouger le cul, hein. Alors j'essaye de sauver mon Snowfox et je lis ta théorie, hein. Là-bas. Ah. Ah. Alors attends, je me sors de là et je lis la théorie. Mais je suis où là? Si, c'est bon. Je suis bien à la base. Par contre, il me manque quelque chose. C'est sûr qu'il me manque quelque chose. Ma théorie, c'est que les espèces de pics sont en fait des météorites qui ont apporté sur la planète quelque chose qui met le ver de glace dans cet état, ou qui ont apporté le ver des glaces. Ce qui est sûr, ce que l'on sait par rapport au premier jeu, c'est que le virus Kara est le virus qui fait que les architectes ont fermé la planète. Et quand je dis fermer la planète, c'est que tout vaisseau qui passait à proximité de la planète était irrémédiablement abattu et détruit.
Donc, nous, pour nous échapper de la planète, parce que notre vaisseau, justement, a subi l'attaque et a été détruit, on a dû désactiver, enfin, enlever le virus avec l'aide de la mère Léviathan, de l'impératrice des mers. C'est le nom du Léviathan, hein, empereur des mers. Mais ici, c'était une femelle, donc impératrice des mers. Qui en fait a la possibilité dans ses gènes de créer un vaccin ou en tout cas un élément qui contre le virus Kara. Le problème étant, c'est que les architectes ont essayé de l'enfermer et de l'étudier pour pouvoir justement réaliser le vaccin. Mais comme elle était pas très bien traitée ou en tout cas l'empereur des mers, c'est un Léviathan qui est très pacifique. Et si tu le contrains un petit peu, on va dire, il se fait, il rentre dans une sorte de mutisme et où il parle plus, etc. Et donc elle avait des œufs. Et en fait, c'est les bébés empereurs des mers qui peuvent créer cette molécule qui combat le virus Kara. Et pour ce faire, en fait, il faut qu'ils grandissent dans l'océan et ils vont créer de plus en plus de molécules et protéger du virus. Donc ça nous a permis de nous soigner dans le premier jeu, de pouvoir désactiver la tourelle qui défonçait tous les vaisseaux spatiaux qui passaient à proximité,